Méditation de développement de la faculté de psychométrie. Quelques explications. Il s'agit d'obtenir des voyances sous forme visuelle, auditive, divers types de sensations, comme de la chaleur, du froid, du bien-être, du mal-être, etc. Tout cela à partir d'un objet que l'on contemple ou que l'on tient dans l'une de ses mains. On peut éventuellement placer cet objet ou cette photo sur notre plexus solaire ou sur notre front, au choix. Cet objet a soit appartenu à quelqu'un, bijoux, montre, etc., soit une pierre provenant d'un certain lieu. Certains voyants, en tenant une pierre provenant d'un lieu où une bataille historique s'est tenue, y assistent comme un témoin ou acteur de l'époque. Ce type de voyance peut permettre des applications multiples à partir d'une pierre. Cela peut aider des archéologues, des historiens à apporter des prévisions intéressantes. Souvent, des voyances qui paraissaient farfelues se sont révélées exactes à la suite de découvertes archéologiques réalisées quelques années plus tard. Tout objet ayant appartenu à quelqu'un aide à se mettre à l'unisson des vibrations psychiques de son ancien propriétaire. Le pratiquant entraîné à la psychométrie peut ainsi déceler le véritable caractère du propriétaire de l'objet, et parfois même son passé et une partie de son avenir. Il est habituel dans la psychométrie moderne d'utiliser une photographie à la place d'un objet, et cela marche très bien ainsi, avec aussi bien des photos d'objets, de lieux, de personnes. Pratiquons la psychométrie avec une photo. Bien sûr, vous choisissez une photo. Vous vous placez dans une position confortable, favorable à la détente et à la méditation. Vous pouvez donc être aussi bien assis qu'allongé. Afin d'approfondir votre relaxation, vous allez pratiquer la respiration d'harmonisation entre les énergies ciel-terre en vous. C'est-à-dire, en inspirant, vous visualisez un courant de couleur jaune qui descend du ciel, pénètre par le sommet de votre crâne et à partir de là, s'écoule dans tout votre corps, de haut en bas. Puis, à l'expiration, vous visualisez un courant de couleur bleue qui provient de la terre, pénètre par vos plantes de pied et le coccyx et remonte dans tout votre corps. Puis vous continuez ainsi, inspire lumière jaune qui descend dans tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, expire lumière bleue qui remonte dans tout votre corps jusqu'au sommet du crâne. Continuez ainsi à plusieurs reprises. À chacune de vos respirations, vous êtes de plus en plus relaxé.
Inspire, lumière jaune. Expire, lumière bleue. Puis, après avoir pris la photo dans l'une de vos mains, vous imaginez le va-et-vient de votre souffle qui s'effectue au niveau du point de contact de votre corps avec la photo. Inspire, l'énergie de la photo s'écoule vers vous. Expire, votre énergie s'écoule vers la photo. Vous établissez ainsi un pont de communication entre vous et la photo, avec un objet à la place de la photo, ce serait exactement la même chose, évidemment. Inspire, l'énergie de la photo s'écoule vers vous. Expire, votre énergie s'écoule vers la photo. Puis maintenant, en inspirant, vous attirez vers votre troisième œil, entre les deux sourcils, l'énergie de la photo. Et à l'expire, vous imaginez que cette énergie forme un nuage au niveau de votre écran mental, espace subjectif situé devant le front. Inspire, vous attirez les vibrations de la photo vers votre troisième œil. Donc ça monte du point de contact vers votre troisième œil. Et à l'expire, vous imaginez que cette énergie forme un nuage au niveau de votre écran mental. Faites cela à plusieurs reprises. Inspire, l'énergie de la photo pénètre votre corps au point de contact, se dirige vers votre troisième œil. Expire, l'énergie se concentre sous forme de nuage dans votre troisième œil. Continuez ainsi, prenant conscience que cette énergie de la photo, c'est de l'information qui était enregistrée. Maintenant, restez concentré paisiblement sur votre troisième œil. Placez-vous dans un état de spectateur. Laissez venir à vous les sensations, les images. Certains voient plus qu'ils n'entendent.
D'autres entendent comme si on leur chuchotait à l'oreille. D'autres ne voient pas, n'entendent pas. Mais il aurait tout à fait possible, comme une évidence intérieure, de ressentir intuitivement, on pourrait dire, qu'il se passe tel ou tel événement, que telle ou telle scène se révèle à eux. Soyez attentifs, soyez dans le lâcher-prise. Vous êtes un spectateur, vous êtes un témoin. Surtout, n'intellectualisez pas, laissez-vous aller. Si cela peut vous faciliter le processus, imaginez sur votre écran mental un lac paisible. Contemplez la surface de ce lac. Et laissez venir à vous des images à la surface du lac. Images qui correspondent aux informations contenues dans la photo. Laissez-vous aller, vivez cela, sentez cela. Vous pouvez avoir l'impression de plonger dans la scène, éventuellement, de voir à travers les yeux d'un personnage, témoin ou acteur de l'époque concernée par la photo. Imaginez s'il s'agit de la photo d'un lieu, que vous vous déplacez dans ce lieu, essayez de recueillir le maximum d'informations. Je vous laisse quelques instants vivre cette expérience.
Puis maintenant, vous reprenez conscience de votre corps. Votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied. Votre respiration est plus ample, plus profonde, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. L'expérience est terminée.